pardon, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Il était une fois mon prince charmant. Donc nous allons continuer. Alors, chapitre 6, peut-être. Ah, laisse-moi te dire que j'étais. What? Waouh, je pense que. Niveau sentiments, ça commence à venir quoi. Ça commence à. On aura insisté, mais ça aura valu le coup. Bon, bon, le classique. Hop, alors Léo, je me tendis de surprise lorsqu'il me serra tout à coup dans ses bras. Mon cœur battit de plus en plus vite à ce contact. Tu es la première personne à qui je raconte cela. Mm-hmm. Je n'avais rien dit à personne jusqu'à maintenant. Je levai la tête et vis Léo me sourire tendrement. C'est grâce à toi. Je m'en sens mieux après t'avoir parlé. Merci beaucoup. Ah, j'y crois pas. Alors, je lui souris également, heureuse d'entendre ses paroles. Je compris alors que mes joues étaient rouges. Je suis heureuse de t'avoir été utile. Avec une reine comme toi, tu finis ta phrase. Putain, non. Non, rien. Non, non, moi je veux que tu finisses ta phrase. Oh, on est où là? Alors, si là il ne finit pas ses phrases, nous on veut une suite. Alors, Léo s'interrompit dans ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il a essayé de me dire? On ne sait pas, on ne saura jamais. Merci Léo. Alors, je le regardais cherchant une réponse, mais Léo détourna la tête. Il rougit. Il se détacha de moi et tourna le dos, qui était devenu toute rouge. Ne me regarde pas comme ça. Désolée. Je suis curieuse, mais il me le dira certainement un jour. Je levai alors les yeux vers la lune tout en pensant à cela. Nous avons fait un très bon bon. Un très bon bon. Ouais, bref, je vais me taire. Hey. Léo. Il a changé d'habit, non? Je sais plus. Léo m'appela brutalement et lorsque je me tournai vers lui, je vis que le rouge avait disparu de ses joues. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que tu voulais en savoir plus sur moi. Je veux également en savoir plus sur toi. Comment? Seulement, je ne sais pas trop quelle question poser. Mon plat préféré, ce que j'aime faire. Je pense que. Plutôt ce que j'aime faire. Me semble plus logique. Alors, ce que j'aime faire, par exemple, si tu sais ce que les autres aiment faire, tu peux devenir proche d'eux très facilement. Je vois. C'est dur de poser les bonnes questions. Léo avait l'air embêté. Je ris sans le vouloir car je trouvais qu'il faisait une drôle de tête. Arrête de rire. Désolée. Léo était indécis et me faisait face. Il poussa un bref soupir avant de me regarder de côté. Qu'est-ce que tu penses de ta position de reine en ce moment? Ma position de reine? Oui. Tu devrais être terriblement confuse au départ. Cela me fait repenser à la première fois où j'avais rencontré Léo. C'est vrai qu'au premier abord, je me suis dit que c'était un rêve, mais... Je suis vraiment heureuse de pouvoir être utile à quelqu'un en ce moment. Si tout le monde a besoin de moi, je pense que je peux faire de mon mieux pour être une bonne reine. Je vois. Tu es quelqu'un de fort. Léo me sourit tendrement. Tu es un prince, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as jamais souhaité ne pas l'être? Si, plein de fois. Mm-hmm. Lorsque j'étais petit, on m'a forcé à étudier toute la journée pour cela. Et je n'avais pratiquement pas de temps libre. Je vois. Mais si c'est nécessaire, je pense que je dois faire ce que personne ne peut faire à ma place. On est pareil, toi et moi. Oui. Nos yeux se rencontrèrent et on se sourit. À ce moment-là, un vent fort souffla entre nous. Il fait un peu froid. Les arbres bruissèrent avec le vent. Oui, on devrait rentrer. Oui. On se leva doucement et on quitta ensemble le balcon. Mmh. Mmh. Il nous raccompagna jusqu'à ma chambre. Et après cela, je m'allongeais sur mon lit et pensais à ce qui s'était passé pendant cette journée. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui, le rituel a été un succès et j'en sais plus sur Léo. C'était vraiment une bonne journée, mais j'espère vraiment qu'on s'entendra bien. Cette nuit, alors que j'étais en train de penser à Léo, je m'endormis sans m'en apercevoir dans un profond sommeil. Le lendemain matin, Albert nous raccompagna jusqu'au royaume des contes de fées. Si seulement je pouvais vous en montrer plus sur le royaume des vers, nous ne pouvons nous absenter plus longtemps du château. Je suis désolée. Je comprends. S'il se passe quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais retourner à mon royaume. Tu nous quittes aussi? Ne fais pas cette tête. J'ai des choses à faire aussi. Léo se gratta la tête en disant cela. Allô, regarde si tu peux envoyer cela à sa chambre. Très bien. Léo enleva sa main chaude et je le regardais s'éloigner. Je sentis la solitude envahir mon cœur. Pourtant, Albert et Harold sont à mes côtés. Je dois me concentrer sur mes études maintenant. Après avoir terminé les divers préparatifs avec Harold dans ma chambre, je me dirigeai vers la chambre de Ferris, mon professeur, pour cette session d'études. Mmh. Tu es en retard?
C'était la première chose que Ferris m'avait dit lorsque j'entrais dans la pièce. Il n'avait pas l'air content du tout. Je suis désolée. Est-ce que j'étais vraiment en retard? Il avait toujours une mine boudeuse malgré mes excuses. Si tu es encore en retard, je vais te punir. Hein? Contrairement à ces mots, Ferris n'avait pas l'air de s'en faire vraiment pour cela. Je m'assis sur une chaise au centre de la pièce. Bien, commençons l'étude. Commençons l'étude. Oui, j'étais assise en face de Ferris. Je t'ai dit qu'on allait commencer. Vu que c'est moi qui vais t'instruire, c'est ton devoir de te souvenir de tout. Ok? Oui, d'accord. Alors d'abord, Ferris m'apprend d'abord les rudiments de l'alchimie. En d'autres termes, les masses n'ont pas besoin d'être équivalentes. Ce qui compte, c'est la compétence du pratiquant. Ok. L'alchimie semble intéressante à pratiquer. La leçon de Ferris était incroyablement facile à comprendre. J'étais capable de m'imprégner de la théorie mieux que je ne l'aurais pensé. Et selon mon passé à la pratique, Ferris prit une petite pierre et la plaça dans ma main. Je t'aiderai pour la première fois. Tu n'as qu'à réciter l'incantation. D'accord. Je me concentrais sur la petite pierre et récitais l'incantation qu'il m'avait apprise. Ferris enveloppa mes mains dans les siennes. Tout va bien. J'étais surprise par la soudaine caresse de Ferris sur mes mains. Et il commençait à réciter doucement l'incantation. Bien, ça devrait le faire. Une fois l'incantation terminée, lorsque je remarquai la lumière dans mes mains, le poids s'était amplifié. Oh, j'ouvris lentement mes mains et la petite pierre s'était transformée en joyau transparent. Ferris hocha la tête, heureux en voyant cela. Tu as du talent? Une simple pierre peut devenir quelque chose d'aussi beau. C'est le pouvoir de l'alchimie. Je l'ai transformé. J'ai passé les joyaux entre mes doigts. Lorsque je remarquai Ferris en train de me regarder du coin de l'œil, ton visage est encore plus illuminé que d'habitude. Est-ce que tes soucis se sont envolés? Ferris prit le joyau tout en disant cela. Il le prit entre ses mains et récita l'incantation. J'ai entendu dire que ton partenaire pour le dernier rituel était Léo. Ferris transforma en un clin d'œil le joyau que j'avais transmuté en un ornement transparent. En y regardant de près, je vis que cela avait la forme d'un lion. C'est sans doute grâce à cela que le rituel a été un succès. Peut-être. Il plissa les yeux et posa l'objet sur la table. Est-ce que tu l'as choisi en tant que partenaire? Pas encore, mais il t'intéresse, n'est-ce pas? Ferris, me voyant silencieuse, ne semblait pas satisfait. Ce n'est pas pourquoi. Je me levai, tentant d'échapper à cette conversation. Cependant, Ferris m'attrapa le poignet, me signifiant que je ne pouvais pas lui échapper. Léo m'a appris quelque chose d'important à propos de lui, du coup, je m'intéresse d'autant plus à lui. Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? J'élevai la voix surprise et Ferris apparut encore plus surpris que moi. Tu n'en as même pas conscience? Je suis amoureuse de Léo. Est-ce que je pense vraiment à lui de cette façon? Je perdis mes mots, hésitante. Dans ce cas, si tu tombes amoureuse de moi à partir de maintenant, tu voudras bien me choisir comme partenaire? Ferris passa un bras sur mes hanches et de sa main libre prit mon menton et caressa mes lèvres. Léo, au secours! Très bien. On a fini truc. Bon, on a appris un truc, des choses sur Léo. Même si je me souviens plus trop de ce qu'il nous avait raconté. Si je me souviens bien, il nous avait. Ah oui, c'était à propos de la pleine lune et qu'il pouvait se transformer en bête et ça le dérangeait. Ok, d'accord. Et qu'il faisait souffrir les gens autour de lui. D'accord. Bon, je pense qu'un jour ou un autre, la pleine lune reviendra, évidemment. Et il ne pourra pas se contrôler et il nous attaquera, sauf que nous, nous allons sortir un discours héroïque, un discours plein d'amour et qui fera retrouver la raison à Léonard. Donc, non, normalement c'est ça, hein, si c'est classique, c'est ça, hein, sinon peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tu sais, genre...